Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons vous emmener au Festival Off d'Avignon où nous rencontrerons des artistes qui feront vivre ce festival. Et aujourd'hui, nous irons à la rencontre de la doyenne Pierrette Dupoyet qui fera son 31e festival en jouant 3 spectacles. Nous interrogerons ensuite Riyad Bassim, un ancien danseur devenu humoriste. Il sera à l'affiche de 2 spectacles. Et nous finirons avec la troupe Godor, des déjantés comme on aime. Tout le monde connaît Jean Jaurès. Mais qui connaît vraiment sa femme? Peut-être Pierrette Dupoyet. Jaurès, vous pouvez nous expliquer un peu cette pièce? Oui, alors elle est dans la lignée de L'étranger de Camus. J'ai joué L'étranger de Camus, où on voit le personnage Meursault qui commet un meurtre. Mm-hmm. Il a un revolver sur lui, il n'aurait jamais dû avoir ce revolver. Il tue. Et j'adore cette œuvre de Camus, je la tourne dans le monde entier, je reviens de la faire, là j'étais aux Seychelles, mais je l'ai fait partout, je l'ai fait dans tout l'océan Indien. La fille de Camus m'a fait confiance et a renouvelé constamment sa confiance depuis que je la joue. Donc, on voit un être épris de vérité et de justice. On lui tend des perches pour qu'il mente, on lui tend des perches pour qu'il s'en sorte, et il les refuse. Son avocat lui dit, mais écoutez, on va dire que vous étiez bouleversé. Il dit, mais j'étais pas bouleversé. Mais dites ça, vous aurez une circonstance atténuante. Mais je ne veux pas de circonstance atténuante. Et là, on se dit, waouh, quel exemple, quand même. Quel exemple. Eh bien, Jaurès, pour moi, c'est un exemple. C'est un homme qui a cru à la beauté de la politique au sens fort, au sens de Platon. Moi, j'aime la politique, mais pas la politique des politiciens. Oui. C'est comme la religion, finalement. J'aime la religion, mais les religieux m'effrayent, de quelque bord qu'ils soient, quand ils sont extrémistes, quand ils sont fanatiques, quand ils font du prosélytisme, quel qu'il soit, ils me font peur. Moi, je dialogue en direct. Eh bien, Jaurès avait cette vertu de retrouver la politique au sens de l'agora grec, où on venait parler de la chose publique. De Platon. Voilà, le banquet Socrate, de Platon, exactement. Socrate, ouais. Avec des valeurs, où chacun donnait son opinion. Et le banquet de Platon, on voit effectivement les uns après les autres, ils se lèvent, Alcibiade, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui. Pythagore. Et Jaurès prenait des valeurs et les portait très haut. C'est un homme du Sud. Ah, il est né à Castres, mais il allait défendre les gens dans le Nord, parce qu'on a souvent dit, ah oui, mais il défend Toulouse, Toulon, Castres, Carmaux, là où il a été professeur, à Albi, attendez, il peut aussi aller dans le Nord, à Armentières, à Fourmies, il s'est déplacé, il a défilé auprès des ouvriers qui étaient en grève, il a dénoncé des injustices, et il a mis sa vie en cause, évidemment, jusqu'à être assassiné. Donc, mon spectacle propose une réflexion sur comment est-ce qu'on peut en arriver à tuer un être qui ne fait que dire la vérité et vouloir le bien des autres. Une sorte de Gandhi, une sorte de Nelson Mandela. Quel est le mécanisme humain qui peut arriver à mettre le revolver dans une main de quelqu'un et le faire le tuer de dos, hein, pas la loyale, oui, en plus, c'est de la tuer de dos, hein, dans le dos. Et qu'est-ce qui fait après qu'on puisse juger honnêtement cet assassin? Sur quels critères? Donc, mon spectacle commence le 31 juillet 14. L'assassinat vient d'avoir lieu. Je suis la femme de Jaurès, voilà. Louise Jaurès. J'apprends que mon mari m'a assassiné. J'apprends par ma fille, parce que moi je suis dans le Tarn. L'assassinat s'est passé à Paris, donc il y a du croissant. Et on va avoir donc l'enterrement, tout ça, les gens qui viennent, l'oraison funèbre. Donc je revis tout l'historique. Hein. Je suis allée piocher dans les archives, j'ai rencontré des gens qui avaient écrit sur Jaurès, évidemment, les droits de l'homme, tout ça. Et le spectacle se déroule sur 5 ans. Parce que la guerre de 14 éclate 3 jours après l'assassinat. Exactement. Justement parce que Jaurès a été assassiné. Avec l'assassinat aussi de l'archiduc. Voilà. Et Jaurès avait écrit un article qui devait paraître le lendemain dans l'Humanité, dans son journal. Et l'article devait arrêter la guerre, devait empêcher la guerre. Sauf que l'article n'est jamais paru. Il a été assassiné à 21h30. Trois jours après, la guerre éclate. On arrête l'assassin de Jaurès, on le met en prison. En se disant, on a autre chose à faire, maintenant il y a la guerre à faire. Pendant 5 ans, l'assassin reste en prison. Au bout de 5 ans, la guerre est finie. Entre-temps, le fils de Jaurès va se battre parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un lâche. Donc toutes les vertus pour la paix que son père a développées, l'enfant n'en tient pas compte. Il va à la guerre, il s'est assassiné. Très peu de temps après être arrivé sur le champ de bataille. En 1919, la guerre est finie, on sort l'assassin de prison et on le juge. Et je fais une partie du procès. Je fais les plaidoyers pour Jaurès. Je fais l'avocat qui défend l'assassin. Et j'annonce le verdict. D'accord. Et le verdict est terrible. L'assassin est acquitté. Ah oui. L'assassin. Ah oui. Génie touche à tout. Voici Riyad Bassim, un homme drôle et touchant. Alors, Riyad Bassim, parlez-nous un peu de votre droit de manger, s'il vous plaît.
Alors c'est un one-man dans lequel je raconte les métiers que j'ai pu faire dans ma vie. Donc c'est autobiographique. Je parle entre autres aussi de ma fille et de ma femme. Je parle du fait que j'ai été lutteur professionnel. J'en ai fait pendant 6 ans, sport études, 25 heures de lutte minimum par semaine. J'ai fait prof de roller aussi, danseur hip-hop professionnel, danseur de salsa, agent de sécurité, vigile. Donc un vrai point de vue d'un vigile et pas d'un humoriste qui se moque des vigiles. Même si je m'en moque aussi forcément. Et puis on parle aussi de Cro-Magnon, le premier homme à avoir dansé sur Terre. Le point commun entre tous les sketchs, c'est la danse. Donc c'est un spectacle en mouvement dans lequel on a réussi à incorporer la danse avec logique, bien sûr. Ça n'arrive pas comme ça, comme dire « Hey, je vais danser entre deux sketchs ». Et comment vous êtes arrivé à faire ce one-man show? Un humoriste m'a présenté un auteur, ce que je recherchais en fait, justement un auteur pour m'aider à mettre en avant, à ressortir en fait tout ce qui pouvait être drôle et racontable dans ma vie. En fait, c'est la première étape en fait, un humoriste, c'est toujours le premier spectacle est toujours autobiographique, en général. Après il y a une évolution. Et en parlant de sportifs, faire un one-man show demande-t-il un entraînement digne des sportifs? Il faudrait, oui, parce que il y a beaucoup de moments où j'ai des passages de danse où tout de suite après je dois relancer le texte. Donc je vous laisse imaginer. Déjà quand en normal je te fais traverser une scène, c'est peut-être assez crevant en courant ou autre. Sauf que là je danse vraiment beaucoup dans ce spectacle. Et vous avez un autre spectacle qui s'appelle Aladdin, un spectacle pour enfants. Alors comment vous êtes arrivé à faire ce spectacle aussi? Avant je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Dédiane et les mecs, un spectacle d'humour et de danse. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai pu rencontrer pas mal d'artistes, pas mal de compagnies auxquelles j'ai même demandé « Tiens, vous n'auriez pas quelque chose ?» Parce que j'avais déjà envie de faire autre chose. Donc j'ai commencé à jouer des pièces de théâtre grâce à eux. Un seul en scène, le premier seul en scène était de Patrice Mercier, m'a donné les têtes, m'a dit « Et ensuite, la belle comédie m'a recruté dans une pièce qui s'appelait « Tout un week-end » de Stéphane Martineau. Ensuite, il m'a fait jouer dans « Un apéro presque parfait » de Jérémy Duc. Et puis bon, comme il savait que j'étais danseur, il avait ça sous le feu, il avait envie de monter un spectacle pour enfants avec de la danse et de la magie. Et puis il m'a dit, bon, j'étais sous la main, t'es chorégraphe, t'es danseur, tu as le rôle d'Aladin, et voilà. Et la magie, vous avez un parcours magicien aussi? Non, là on a eu un metteur en magie, quelqu'un qui a fait la mise en scène de la magie, il s'appelle Franck Toulon, humoriste, illusionniste, qui est aussi sur le Festival d'Avignon. Voilà, si vous cherchez un illusionniste, humoriste, mentaliste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors, vous m'aviez dit que vous avez une fille. Oui. Est-ce qu'elle a vu vos spectacles? Cette année. Elle était encore un tout peu trop petite pour pouvoir rester quand même. Mais cette année, je pense qu'elle va adorer, parce que depuis tout petit, elle danse. Elle danse. Et qu'elle entend de la musique, elle danse. Donc Aladdin, je pense que ça va lui faire quelque chose. Pour le one man, ça va être un peu compliqué. Non, je pense que non, ça devrait aller. Ça va aller. Bon, je vais peut-être entendre dans la salle des papa, papa. Godor, tu chercheras. Godor, tu trouveras. Tous les jours à la petite caserne à 15h45. Bon, Michel Artaud, pour écrire cette pièce, vous êtes inspiré de quoi en fait? À la base, j'ai voulu partir dans un délire, c'est-à-dire que je suis parti dans l'idée de cette quête complètement improbable. Et chaque fois que j'ai rajouté tout un tas de souvenirs personnels, des envies, de certaines musiques que j'avais envie de mettre, certaines choses que j'avais envie de voir faire aux comédiens. Et donc tout ça bout à bout a donné donc Godor, qui est donc un gros mélange de plein de choses. J'avais envie d'obliger les comédiens à changer de costume, de les bousculer, de les prendre de rythme, etc. D'ailleurs, vous êtes traumatisé par les années 80? Non, mais je ne suis pas traumatisé parce que j'aime bien les années 80. Je trouve qu'il s'est passé plein de choses. On va même jusqu'aux années 70. Hein. Donc j'avais envie de les mettre aussi dans la pièce via des clins d'œil. D'accord. Et pourquoi avoir choisi que trois comédiens pour autant de personnages? Parce que ça, c'est un peu le défi que je m'étais un peu lancé en me disant ça permet de pouvoir jouer sur des petites salles, ça permet de jouer dans des petites scènes, ça permet aussi aux comédiens de s'amuser
parce que justement quand il y a des pièces où les comédiens n'ont pas des grosses parties, parce que chaque personnage a des petites parties, à part le rôle principal de Théophraste, tous les autres ont vraiment que des petites parties, donc ça permet aux comédiens de, justement de se faire plaisir, de changer de personnage, de changer de peau, de jouer plein, une palette complète de personnages, et donc je trouve ça beaucoup plus marrant que de rester dans un petit personnage qu'ils vont jouer 3 minutes et après de passer le reste de la pièce en coulisses. Donc là au moins ils peuvent s'amuser, ils peuvent se faire plaisir. Par pure curiosité, quel public visez-vous ? Alors ce qu'il y a de marrant avec Godor, c'est que justement les gens ne comprennent pas tous les mêmes clins d'œil selon l'âge qu'ils ont, selon le vécu, ils n'ont pas tous les mêmes références. Et déjà Nicolas Gilles, donc le metteur en scène qui a travaillé la pièce, a mis aussi des références à lui qui ne sont pas forcément les miennes à la base. Il en a rajouté des références à lui et comme il est un peu plus jeune que moi, donc ce n'est pas non plus les mêmes références et les mêmes époques. Donc ça parle à beaucoup de monde parce que justement, les gens qui trouvent les références s'amusent à voir les références et ceux qui ne connaissent pas voient l'histoire et se laissent porter dans l'histoire. Nicolas Gilles, je suis le metteur en scène de Godor. Je dirige la troupe des Récréacteurs, donc, qui reprend la pièce. Je suis le tuteur légal de Jean-Michel Artaud, c'est pour ça que j'ai monté son œuvre. Je l'ai mis sous tutelle il n'y a pas longtemps. Jean-Michel Artaud nous a dit que vous avez apporté des choses dans la mise en scène, votre époque, par exemple quoi ? Déjà l'univers visuel en termes de costumes, qui est très inspiré effectivement de la Guerre des Étoiles. En fait, il est 100% inspiré de la Guerre des Étoiles, puisque tous les costumes appartiennent à un personnage de la Guerre des Étoiles. D'accord. Donc effectivement, une référence peut-être plus de mon côté que de celle de Jean-Michel. D'accord. Après, j'ai apporté quelques références par rapport à... qui sont vraiment légères, mais par rapport à... Au cœur à ses raisons, qui est une série québécoise que j'aime beaucoup, qui parodie les soaps, oui. Etc. Et voilà, il y a un petit peu teinté aussi du cœur à ses raisons. Voilà. Vous faites quel rôle ? Je fais la reine. La reine, les ermites, le robot, le sorcier, le sorcier, Hystéria, la dame de l'office du tourisme. Alors moi j'ai participé à la première lecture de ce texte, donc la première mouture, Jean-Michel venait de l'écrire, et donc c'était fort effectivement c'était, à l'époque c'était un peu court, depuis il a eu quelques améliorations, quelques rajouts. À cette époque-là d'ailleurs j'avais lu le rôle de Théophraste, mais je me le suis fait piquer entre temps. Voilà, il était meilleur que moi, il faut le dire. J'ai eu droit au rattrapage. Mais il faut croire que tu étais meilleur dans les rôles de femmes, c'est pour ça. C'est ça. Je suis Benoît Godriot et j'interprète et le chevalier de la rime et Childebert et l'assistant du sorcier et l'homme araignée. Et d'autres encore. Jonathan Pressfield, son alternance. Voilà, mon alter ego. Les mêmes personnages, entre autres. Même personnage, on se ressemble. C'est pour ça qu'on a été pris. C'est pas faux. Harry Selem, je joue le rôle de Théophraste et c'est tout. Moi, je me suis arrêté à qu'un seul rôle. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et en rencontrant toute l'équipe, et je suis très très heureux que nous ayons été sélectionnés tous les deux pour faire le même rôle, parce qu'il n'a pas su nous le départager, mais ça apporte une richesse dans notre jeu réciproque, en regardant l'un et l'autre jouer, ça enrichit notre jeu de comédien et puis la pièce en elle-même. Et donc très ravi de partir avec ce texte de Jean-Michel et merci Jean-Michel pour cette opportunité, ce grand plaisir de jouer cette œuvre délirante. Et n'oublie pas de remercier le chef, donc Nicolas Gilles aussi pour nous offrir cette opportunité. Donc Godor. Merci. Tous les jours à Avignon, la 19... à 15h45, à la petite caserne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais attention, demain, nous reviendrons avec d'autres artistes comme Piaf Blues, Isabelle B et la troupe J'y vais pour L'Indien cherche le Bronx. À demain. Eh ben, bonjour à tous, moi je m'appelle Michel Frenet, je présente au Festival d'Avignon à l'Attila Théâtre à 15h mon spectacle à 7 sur le clocher. Alors pourquoi venir ? Tout simplement parce que d'abord il y a la clim dans le théâtre, ça c'est important vu la chaleur qu'il fait à Avignon. Et puis ensuite parce que tous les gens qui sont venus, n'ont pas regretté, se sont beaucoup amusés. Je parle de moi, je parle de ce que je ressens, de ce que je pense. Je suis un jeune comédien, j'ai 27 ans, je suis belge, je vis à Paris, je suis d'origine italienne.
Ça veut dire qu'en Belgique, je suis pas belge, en France, je suis pas français, en Italie, ils me connaissent pas. Et j'essaie de parler de tout ça, voilà. Je parle de tout ce que je connais, ou du moins de ce que j'essaie de connaître, avec beaucoup de plaisir et avec l'envie que les gens s'amusent. C'est une conversation entre amis, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation entre amis. Alors pour l'instant, les amis, il y en a 15, il y en a 20. J'espère qu'il y en aura 50 à la fin du festival. Et pour ça, bah, il suffit juste de regarder le numéro qui est ici et de téléphoner pour réserver vos places. Voilà. C'est à 15h, c'est à l'Attila Théâtre, et moi, c'est Michel Frenat. Merci à vous.